possible pour garçon changer taille pénis, ok? Parce que gain plus, si un garçon sur deux pas satisfait de taille bérigène. C'est ça que fait je dis à mon côté vidéo ça pour nous sujet ça. Est-ce que c'est possible pour garçon changer taille bérigène? Moi ça de nous toutes. Moi c'est Miss Pierre Jules. Bienvenue avec vous même qui fait tomber sur channel moi. Il y a plus que 9 garçons sur deux qui pas satisfait de taille bérigène. Pourtant, il y a 9 femmes sur 10 qui dit taille bérigène négio satisfait. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ça. Et c'est pour ça que ça me fait vidéo à même pour me dire ou même qu'a regarder sur channel là qui gens que ou qu'a allonger bérigène. Est-ce que nous connaissons un pile garçon qui gêné par rapport ensemble avec taille bérigène yo? Parce que vous avez même pour le pilon, pour le trop petit, le trop court, monsieur Eugène. Avant de faire plus de détails, je voulais vous connaître que la taille moyenne de pénis négla, ok, en moyenne, il mesure 13,3 ou 13,4 cm. Et il doit mesurer le bérigène aussi avec centimètres ou fait ça. Je vais faire une vidéo sur ce sujet déjà. Il y a un garçon qui a un bérigène qui a une longueur normale, il y a tout, il y a un micro pénis. Ça veut dire que le bérigène est tout petit. Ce n'est pas tout garçon qui font ça. Mais on pourrait que moun sa yo ki gen ti bérigène, yo toujours ap enquête yo. Et des fois tout yo kon enquête yo pour grand miss. Et ki l'on garçon pral konnen que li gen un micro pénis côté bérigène nan tout petit. C'est là li mesure bérigène nan, li wèl pi bas que 9 cm ou bien tout 8 cm. Ça veut dire que de pou li en dessous de Samsung dinar yo konnen que moun sa li gen un micro. Ça fait li important, yon garçon ki gen micro, bon, cause li son inconfort ou ka repérer ça. Ou qui ou ka arrange ça. Ou même qui garçon, ou remarque que ou gen ti bérigène. C'est tout à fait normal, ou ap senti on sort d'inconfort la caillou, ou ap gêné, parce que ou e bérigène nan pa gen longueur normal. Ok? Ça, ok, moi ka comprendre, li nécessité pour un allongement, li nécessité pour allonger taille. Ok? C'est sans problème. Et garçon tout, yon kon taille bérigène qui normal, et yon kon ap nui koyo, yon ap nui koyo, ou besoin pour allonger pour trop petit, tellement ou besoin déranger yon femme, le ap fe bagan sa mavek li, soit l'on bout yon pas bien coupé, etc. Ou pa yon trop petit. Tandis que yon gen yon longueur qui normal. Parce que m'sou di nou en moyenne, en les bérigène nèg lan kanpe bien dur, il doit mesurer 13,3 ou 13,4 cm. Ça veut dire que si pour la comme ça, et ou trouve le petit, connaît que là ou bon problème. C'est tout à fait normal, c'est longueur ça vous lié, ou plus pas de dépasser que ça. C'est normal, mais quand des garçons qui ont plus qu'à la normale, ok? Mais ou même si vous avez longueur à la normale, ou pas nécessité un pilon, ok? Ou pas nécessité un pilon, ou pas moun qui gen micro pénis, moun qui gen si louloute yo, tant que même pour ka gérer tête pour ka jouer un espace même pour ka allonger par yo. Avant prendre décision pour allonger bérigène nous ou doit connaître ou même qui ont micro bérigène ou petit bérigène ou doit connaître qui tout bagaille qui ka fait que ou gen petit bérigène. OK parce que ou fait avec petit effort, moi pas connaître qui tout cause qui fait que ou fait avec petit effort comme ça. Ça fait dans vidéo moi vient dire ou même qui ont petit bérigène mais tout ça qui ka fait mais tout ça fait que un garçon gagne petit bérigène avant que me dire comment pour allonger. Un garçon qui gagne un micro pénis. Première cause là, il y a un problème médical. Des fois tout il y a une génétique, OK, ou prend la race, il y a une génétique et il y a un problème hormonal tout. Pour ça tout, il y a des traitements qu'on a prendre en enfance, ça a fait que ou vinn gon micropénie. Suite ensemble avec un cancer pendant enfance ou bien adolescence, ça a fait un petit pénis. C'est pas comme ça un garçon a prêté et puis tout même il well gagne un petit bérigène. Mais plutôt c'est un bagage qui totalement à part. Gon cause qu'il faut comme ça. Pour m'avancer plus loin pour m'ba nous méthode que nous apprendre pour nous allonger bérigène c'est qui ça lié ou même qui est petit bérigène. Est-ce que nous connaissons pile méthode qui dehors yo kon bay pour monsieur utiliser qui pas marché. Ça m'a bon méthode qui pas marché yo ou même qui envie allonger petit bérigène ou et puis même méthode qui pas marché. Parce que il y a pile faux méthode dehors. Il y a des crèmes à vendre sur internet ou bien marchand yo doit vendre des crèmes dans la rue etc. Il y a gélule ou capran yo kon dit que dès pour prendre gélule ça yo ou bon sens ou gagne 10 cm de plus tellement la plonger. Le bon de prendre des comprimés, des gélules. Eh bien, ça n'est pas vrai du tout. Sinon, tout garçon a bien bérigène de mélanger. Crème ou utilisez pour passer sous tête bérigène ou pas faire l'allonger vrai. Gélule que vous prenez, qui c'est des comprimés, le pas allonger bérigène de garçon vrai. Et vous avez une information passée, vous avez dit que vous avez des médicaments pour ça, ou bien sur internet, vous avez des médicaments, etc. Vous avez des crèmes pour allonger, ou bien des comprimés pour allonger, des gélules pour allonger, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai du tout. Sinon, tout garçon a un bérigène bien longue, tout garçon a blagué là-dedans. Le premier, ça a marché pour garçon qui a un bérigène, étirement du pénis. Oui, ça a marché. Ou même qui a un petit bérigène. Oui, ça a marché. D'ailleurs, c'est un bérigène nous pas un zola. Chaque fois, étiré et puis c'est chaque fois prend longueur. Étirement du pénis. Mais pour ça marcher, faut faire très souvent et très constant. Et on voit que la prolonger côté le capran 1 à 2 cm de plus. Deuxième bagaille qu'on a fait. Ou ka utiliser vacuum. Vous pouvez utiliser au moins 1 h 30 par jour la prolonger bérigène. Troisième bagaille qu'on a utiliser c'est des extensions du pénis. L'utiliser très souvent,
rigoureusement, ou après que vous atteignez un centimètre et demi, l'offre fait très souvent. Ça veut dire que pendant la journée, vous apportez 8 fois par jour, sous vous, capotez le résultat vous voulez. N'importe quel étirement que vous faites sous le genou, ou utilisez même s'il était manuel, la fait impact sous le genou, la allongé. Vacuum ou bien extension du pénis. Ça nous reconnaît tout, nous ne devons pas utiliser le pour douleur. Parce que si vous utilisez matériel ça et puis même la vous sentir douleur, des câbles blessés pendant et des cicatrices dans le régime. Utiliser appareil ça, l'acheter acheter appareil ça, il y a des indications ou de prendre son pour suivre indication qui sous appareil avant que vous utilisez appareil là dans le régime. Est-ce que nous connaissons un garçon qui besoin allonger le régime, ça coûte cher? Bien pile appareil ou qu'à utiliser pour ça. Et moi, je suis cité pour nous là. Et lorsque nous avons utilisé appareil ça, pour allonger le régime, nous devons prendre patience. Parce que deux fois qu'on utilise, il va faire le mélange. Ce n'est pas seulement appareil qu'on utilise pour allonger le régime. Il y a des injections qu'on prend pour ça tout. Mais c'est un médecin qui peut prescrire ou li, ou pas prendre comme ça. C'est un médecin qui peut connaître. C'est ça qui fait. Je ne vais pas mettre l'image pour nous. Ou même qui t'a aimé connaître, ou même qui t'a aimé acheter, ou même qui t'a aimé utiliser, ok? Juste contacter pour une consultation. Je vais dire comment vous utiliser, je vais vous dire comment vous utiliser, je vais vous dire tout le bagage comment vous utiliser. À travers une consultation, d'accord? N'importe quoi, je vais vous dire service. Et j'aime toujours dire que consultation n'est pas gratuite, s'il vous plaît. Il y a une méthode qu'on peut utiliser, tout. Ou une autre méthode qui est très naturelle qu'on peut utiliser, ou même qui a besoin d'allonger les régimes. C'est qui ça lié? Ou perdre du poids dans le ventre. Plus vous avez gros ventre, c'est plus que les régimes n'ont pas adressé. Parce que les pral comblé, ou après graisse comblé partie en dessous des régimes. Non, perdre du poids au niveau du ventre, l'on fait ça, graisse n'a pral comblé au-dessus du pénis. Les hongars ont perdu volume de l'abdomen ou bien graisse de l'abdomen, ou après libérer jusqu'à 2 cm taille pénis. Côté que ou après, les régimes n'ont pas de visible, ou n'y a pas de visible, ou n'y a pas de perdu. Graisse ventre. Si vous êtes garçon qui n'a pas de graisse abdominale, faites tout le temps pour ne pas gagner. Surtout, ou même qui t'a remis, qui a des régimes, vin plus long. Ok? Casser graisse ventre. Deuxième bagaille qu'on utilise encore, yo ka fait chirurgie pour moun nan. Yon garçon qui gen yon ti antibérigène et gen micropéni, yo fait chirurgie pour. Yo ka donc médecin fait en chirurgie pour. Ça c'est moun, ça c'est le garçon gon problème médical. Parce que gen garçon qui gen complexe ensemble avec bérigène yo, yo gêné, yo pas remen longueur etc. Ou après moun sa yo kon gen des difficultés pour faire bagarre avec yon fille et kon sa tout le a faire bagarre avec fille, ou après fille minimiser par rapport avec ti bérigène pou yo gen. Monsieur yo kon complexé par rapport ensemble avec longueur bérigène. Et ou après tout gen garçon pa yo a li normal. Il n'y a pas une longueur qui est normale, qui n'a pas de problème. Et les gens, malgré ça, ont besoin de allonger toujours parce qu'ils n'ont pas appétit. Et bien, il y a un moyen, il y a une technique pour faire ça. Et je vous dis, nous là déjà. Et vous avez un peu plus à travers une consultation en ligne, je vais faire pour m'orienter concernant ça.